Ouais, je suis là. Ai-je vraiment besoin de me présenter? L'espoir pour Québec, je vous traduis névrosé. Je suis comme Andy Warhol et Luc Plamondon. Sans le talent et l'impact sur ma génération. Bye bye Clotaire, j'espère qu'on va se revoir. Un jour on va te rappeler pour que tu bullshit encore. Ta face pis ton nom c'était synonyme d'espoir. Le plus grand des adieux pour le plus grand des départs. Bye bye Clotaire, j'espère qu'on va se revoir. Un jour on va te rappeler pour que tu bullshit encore. Qu'est-ce que tu veux dire, Régis? Je ne comprends pas, Régis. Qu'est-ce que tu veux dire, Régis? Je ne comprends pas. Au stade de Ficu, c'était déjà clair que Québec et moi, on serait en affaire. Car mon cordon ombilical crachait déjà du Félix Leclerc dans le ventre de ma mère. Quand j'étais petit en banlieue de Paris, j'ai été témoin du débarquement de Normandie. Je me souviens encore de ce soldat américain habillé fluo avec des mocassins. Il a débarqué de sa Hyundai Accent et est venu me parler l'espace d'un instant. Le lien était créé, nous étions en symbiose. Il m'a regardé, m'a souri et m'a tendu des Doritos. Je m'en souviens comme si c'était hier. À 8 ans et demi, j'ai arrêté la guerre en tirant Hitler de mon fusil laser, tout en fredonnant le petit bonheur de Félix Leclerc. Bye bye Clotaire, j'espère qu'on va se revoir. Un jour on va te rappeler pour que tu bullshit encore. Qu'est-ce que tu me dis, Régis? Je ne comprends pas, Régis. Qu'est-ce que tu me dis, Régis? Je ne comprends pas. Bye bye Clotaire, j'espère qu'on va se revoir. Un jour on va te rappeler pour que tu bullshit encore. Qu'est-ce que tu me dis, Régis? Je ne comprends pas, Régis. Qu'est-ce que tu me dis, Régis? Je ne comprends pas. Régis la bombe sur le mic, toujours prêt pour brag. On n'a pas de stade ici, mais on a des beaux plans de cave. En tête de liste, y'a celui de Clotaire à paille. Juste avec sa face, on peut voir qu'il taille. C'est à cause des journalistes, si mon plan a échoué. C'est à cause des journalistes, si y'a du fuck dans les CV. C'est à cause des journalistes, quand j'ai une mauvaise idée. C'est à cause des journalistes, si Clotaire nous a quittés. Rapaille tellement de souvenirs qui flash dans ma tête. Avec toi dans un meeting, c'était toujours la fête. Refaire l'image de Québec, c'était pas une idée bête. Mais refaire l'image de ta tête serait peut-être plus honnête. J'm'imagine avec toi, libre de nos choix. Plus de journalistes pour nous taper ses doigts. Mais on doit se quitter, c'est tellement dur. J'capote, j'arrête pas d'imaginer. J'sens que c'est dur dans mes culottes. Bye bye Clotaire, j'espère qu'on va se revoir. Un jour on va te rappeler pour que tu bullshit encore. Qu'est-ce que tu veux dire, Régis? Je ne comprends pas, Régis. Qu'est-ce que tu veux dire, Régis? Je ne comprends pas. Bye bye. Mais ce n'est pas tout, hein. J'ai écrit un livre qui sert de référence. Vous le trouverez sur la cuvette de la toilette de la Bibliothèque de France. Avec un si beau CV, pourquoi m'a-t-on remercié, hein? Plus de chambres d'hôtel payées au château Frontenac? Ah bien, je vais partir avec les petites bouteilles de shampoing, moi, putain de merde.